Bonjour à tous, mercredi, non, des conneries. Vendredi 10 décembre, j'ai sorti le petit pull de Noël, je vous ai dit j'en ai retrouvé 2-3. En même temps, si je le mets pas maintenant, je sais pas quand je le mettrai. Hein. Ce matin, j'ai fait toutes les factures. Parce que sinon, je vais vider. Ça va, bébé? Oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'Eric? Je viens de finir Promios et c'est libre. Oh, félicitations, c'est bien ça. Donc je vous disais, là j'ai traité toutes les factures et je vais continuer. C'est dingue quand même que je sois arrivé premier. Mais oui, je te dis félicitations. Tu ne te demandes pas sur quel type de voiture? Sur quel type de voiture? Radical SR8. Non. Voiture anglaise. Ah bah ouais. 8 cylindres en ligne. Bravo. Fabriqué à partir de 2-4 cylindres de moto mis côte à côte et réalisé. Alors ça, c'est mes pattes. Mais enfin, en tout cas, ça donne une grande fiabilité au niveau du moteur. Voilà, voilà. Je disais donc, vu qu'il y a eu d'autres commandes, il va falloir que je refasse des petits cartons. 500 chevaux à la tonne. Je sais pas si t'imagines. Mais pas du tout. 0 à 100, 2 secondes 8, quoi. Non. Miam, miam, miam. Et donc, au niveau des cartons, c'est très, très rapide. Je pense que... Donc, je vais faire ça ce matin avant midi, de façon à ce que je peux avancer pour... Les GT3. Les GT3, ouais. Oui, si tu veux. Pour enfin, la semaine prochaine, vous avez compris. Ça reste de la voiture. Donc je pense qu'on y va, là. En tourisme. Ah oui. C'est bien qu'on ait parlé. C'est bien qu'on ait parlé, ouais. C'est bien qu'on échange. C'est vrai, on a bonne communication. Oui. Bonjour, monsieur le toit. Ah, il est dans la maison, là. Fais moins de bruit, déjà. J'ai tout cela à faire. Je vais me caler ici. Ça y est, j'ai fait les nouveaux cartons. C'est pas terminé, hein. Il faut que je fasse encore le tampon. Donc dans toutes celles-là et derrière, c'est fait. Mais toutes les nouvelles ici, on va le faire maintenant. Bon, par contre, j'ai pas pensé parce qu'habituellement, le tampon, le boudoir, je le fais vraiment sur le support plat. C'est plus pratique. Bon, ça va le faire aussi, mais bon, ça va être peut-être un peu plus chiant, quoi. Je vais la poser comme ça. Disons que c'est ça qui va me gêner, en fait. Mais bon, ça va le faire. Voilà, j'ajusterai en fonction des toutes dernières commandes de la journée jusqu'à minuit ce soir. Midi 5, ça c'est bon. Et j'ai même eu le temps d'appeler mon imprimeur pour programmer l'impression de tous les petits flyers. Comme ça, je vais pouvoir... tout sera bon pour lundi, mardi. Et je vais même pouvoir commencer ce week-end parce que j'ai des petites choses, je peux pas tout vous dire, mais à faire qui demandent vraiment de la précision avec un peu de minutie. Et c'est cool, midi 6, donc je vais manger et après je continue. À quelle heure tu commences? Et là je commence à 13h20. Oh, minutes. Allez, qu'est-ce que tu fais? La pilule, s'il te plaît. T'as pilule pour être gentille? C'est ça. Ah non, celle-là, t'en as pas. Tu manges, Jackie, il m'a encore mis le foix avec les plaids. Hein. Il m'a mis un bazar, regardez, avec les plaids. Le gars, il s'est approprié tout le canapé. Donc la nuit, il fait sa vie ici. Il dort un peu avec ses parents. Et là aussi, voilà. Ce courant ici aussi, qui existe partout. En France, qui est la gauche. T'as quelque chose à dire pour ta défense? En effet, si elle n'est pas... Vas-y, répète comment tu me parlais il y a 2 secondes avant d'allumer la cage. Je lui ai demandé de baisser et il fait je lui ai fait c'est bon. Non, non, t'as pas fait c'est bon. J'ai fait c'est bon, arrête de gueuler. Regarde Jack là-bas. Non, non, c'est pas de détourner. Bon, bref, allez, attention, là, hein. J'ai même pas ce que je voulais dire. Ça va, c'est équilibré. T'as vu comment t'as parlé? Oui. C'est comme ça que je t'entends d'habitude. Bon, arrête, t'es relou. Bon, voilà, vous l'aurez vu, comme d'hab, en fait, c'est ce que je mange tous les midis. Ça, c'est de la purée. Arrête. Laisse ma purée de légumes oubliés. Oh merde, c'était au fond du frigo, ouais, tu l'as oublié. Ouais, d'accord. Retour au boulot.
Je vais, d'habitude, ce que je vais faire là, je le fais le matin, mais j'ai dû inverser avec tout ce que je devais faire administrativement. C'est-à-dire que je contacte des marques qui sont susceptibles de m'intéresser, de peut-être intégrer mes box. Donc ça prend quand même pas mal de temps en général, tous les matins. Bonjour, c'est Caroline, la fondatrice de la box Le Boudoir. Je pense que ça serait très cohérent, notamment la box du printemps autour de... C'est pas possible. Je dois arrêter, j'entends que Jack il fait le bordel. Il est excité depuis tout à l'heure, il court partout et là je crois qu'il fait les poubelles. Qu'est-ce que tu fais? Il est là, les poubelles sont là. Hein? Non. Voilà, ça déjà, super. Pris en flag. Je suis obligée d'allumer à 14h, c'est génial. Oh là là, j'ai eu un coup de pression, j'ai reçu la facture Colissimo, donc tous les mois. Tous les mois, forcément, je paye pour les frais d'envoi des box. Vous savez combien je paye par box de frais d'envoi? Juste par box, hein. 8,14€. 8,14€ déjà qui partent dans les frais d'envoi. C'est ouf. Je vois pas de toute façon d'autres solutions parce que moi j'aime bien le fait que les box, les clients puissent les recevoir directement chez eux. Je trouve ça plus cool parce que si je prends un service un peu moins cher, même si je sais même pas si ce serait beaucoup moins cher, je pense que si quand même Colissimo, la poste, c'est quand même un truc qui est sûr. Voyez, et puis Mondial Relais, moi, si c'est pour être dans un relais, moi j'ai peur que les abonnés disent oui, s'il faut se déplacer, moi ça m'intéresse plus. Enfin, bref, donc je reste à 8,14€ par box, mais c'est juste un truc de fou. J'ai oublié de vous dire le calendrier de l'Avent de ma maman. Alors, aujourd'hui, elle a eu, donc j'avais reçu ça en partenariat, c'est une marque qui fabrique des petits pochons qui sont faits exprès pour mettre ton savon solide. C'est hyper mignon, donc là c'était un petit peu le petit chaperon rouge avec, je lui ai glissé un savon, tout simplement, voilà, et elle a beaucoup aimé. Il y a une camionnette qui arrive, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas pour moi. Voilà, et j'ai très envie, mais je vous montre le temps. C'est pas terrible, hein. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais depuis hier j'ai envie de me faire un chocolat chaud. Mais pas le chocolat chaud, genre tu mets la poudre, tu tournes avec ton lait. Non, le vrai, avec la chantilly, les marshmallows, les petits trucs de chocolat, la poudre exprès cacao, même un peu de cannelle. Mais je vous dis, là, j'aurais bien été... Je sais que... Je vais peut-être aller à la supérette du coin. Je suis sûre que je peux trouver ça. J'ai déjà 2-3 trucs à la maison, mais voilà, parce que j'ai envie de me faire un petit peu tiède et tout. Ça va peut-être me motiver parce que j'ai encore plein de boulot et j'ai 2-3 petits coups de fil. Mais les rendez-vous, c'est à partir de 4h30. Au niveau téléphone, il est 3h, donc c'est jouable. Je vois. Pôle Nord à 15 000 km. D'habitude, il y a une patinoire, mais alors il n'y a pas cette année. Par contre, tu as des autotamponneuses. Alors, je ne sais pas. Parce que la proximité, t'es quand même full. Chaque année, il y a, mais là, il n'y a pas. On a tout ce qu'il faut, même plus. De retour, on va se faire un petit chocolat chaud. Des petits surgelés rapidement. Ceux-là, ils sont très bons. Hein. Atelier poisson, regardez-moi ça. Ah, yes. Des glaces à l'eau, parce que c'est de saison, tout simplement. Une pizza, comment ça se fait? Tiens. Super. Chamallow, il n'y avait pas les tout petits, c'est pas grave. Je vais les couper. Des petits bouts de feta dans la purée. Pour faire des burgers. C'est du riz que tu viens faire dorer dans ta poêle. J'espère que tu gestes. Pizza. Chantilly, ma crème légère, des petits vermicelles saveur chocolat. Alors, nous avons la petite tasse spéciale chocolat chaud. Elle est trop mignonne, j'avais eu à l'espace culture. La chantilly, ce que je vous ai montré. Et du vrai cacao à boire, comme ça. Cannelle, poivre. C'est le poivre m'inquiète un peu, mais je pense qu'ils ont équilibré le truc. Et évidemment, du lait. Les petits bouts comme ça. Il est beau ce cacao. Pouf. Il s'agit d'une recette du 18e siècle. Donc, un quart de litre. Stop. Donc moi, c'est du lait écrémé. Je vais le faire gentiment chauffer. Surtout, je ne veux pas qu'il boue. Et je vais rajouter progressivement la poudre.
Ça sent bon, ça sent vraiment le chocolat que tu pourrais déguster dans une vraie chocolaterie. Voilà. J'ai versé le chocolat, j'en ai mis la moitié parce que l'idée c'est quand même de rajouter des petites choses et surtout c'est quand même assez copieux. Hein. Comme ça. Voilà. Bon, petite cuillère et je vais lui monter ça. Je goûte et je vous dis. Et voilà, c'est ça que j'ai oublié. Les piles. Ton chocolat. Oh, merci. N'attends pas, hein, parce que c'est chaud. Oh, merci. Allez. Ah non, c'est bon, j'ai... Bon, moi, je le bois ici. Je vais goûter ça et je vais vous dire. J'ai rajouté aucun sucre. Hein. Il y en a déjà suffisamment. Oh mon Dieu. C'est une merveille. L'équilibre. La cannelle, très 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 légère. Le poivre, je le sens pas. Ça doit ajouter peut-être... Oh, qu'est-ce que c'est bon. Excellent. Oh, cette régalade, je vous conseille à 10 000 de vous faire un petit chocolat chaud. C'est l'heure pour moi d'arrêter ce vlog et d'aller faire ce petit montage. Demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. De toute façon, vous verrez. Je pense que je vais vlogger. Je vous fais un gros bisou et je vous dis certainement à demain. Ciao, bisous.